Bonjour à toutes et à tous, on est dimanche, vous êtes avec le coach Wizard et ça veut dire qu'on est parti pour la suite de notre carrière avec Arthur Fils au tennis club de la Chambotte. On était resté sur un petit rapport d'entraînement, du coup où on avait fait travailler un petit peu les retours, le coup d'œil, le positionnement. On avait reçu une wildcard qu'on avait refusée, on s'était fait refuser l'inscription pour Abuja, et on est parti parce que on commence tout de suite le Benicarlo. Nouveau tournoi en 200. On va tenter de se refaire un petit peu, on va dire. Alors, voyons voir. On est tête de série numéro 6 seulement en étant 12e mondial. Terre battue, on va enfin démarrer la terre battue. Notre saison terre battue, on va voir ce que ça va donner, hein. C'est pas la surface qu'on maîtrise le mieux. On la maîtrise qu'à 50%. Bon, bah écoutez, on va voir ensemble ce que ça va donner. J'espère que vous, de votre côté, tout se passe bien. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire, un petit like, à me dire où vous en êtes dans vos parties, etc., etc. Mais nous, aujourd'hui, c'est Arthur contre Daniel et on va tenter d'y aller très très fort et pas de se faire manger parce que la terre battue c'est vraiment pas la spécialité de notre joueur. Bon, pour l'instant il a l'air de plutôt bien démarrer. On va voir, hein. Il peut le faire, on a confiance en lui comme d'habitude. On observe le premier jeu. Ok, c'est pas trop mal. On est content qu'il ait 11 en service désormais, hein. Ça nous évite les séries de 3 d'affilée. C'est pas encore ça, il en rate encore un certain nombre, mais bon. Faudrait peut-être qu'on lui fasse travailler aussi ses amortis, parce qu'il a tendance à vouloir en faire souvent, et il est mauvais en amortis. On l'a vu, hein. Bon, allez. Le premier jeu est remporté facilement. On a déjà une balle de break, ça c'est pas mal du tout du coup. Allez. Il joue très très court notre joueur. Mais bon, ça passe. 2-0. On enchaîne. Visiblement 3-0, 3-1, 4-1. Une nouvelle balle de break à nouveau. On est plutôt bien, hein, pour notre entrée en lice sur de la terre battue. Bon, 5-0. On va l'effacer assez facilement, visiblement. Et le ace pour finir le set. 6-1. Bon, écoutez, il n'y a pas grand-chose à lui dire. Ah, c'est excellent, garde le rythme. Qu'est-ce que vous voulez que dire? 6-1 au premier set. Déjà une balle de break d'entrée. Ah, on lui a fait travailler le retour, mais c'est pas encore ça. Il a toujours une mauvaise note en retour. Il est à 6 toujours. Ouais. J'hésite à lui faire travailler un petit peu plus le mental que le physique. Enfin, que la technique, pardon. Je sais pas. Parce qu'il a vraiment des notes mauvaises et je me dis qu'il monterait peut-être plus vite. Allez. 4-0. Nouvelle balle de break pour le 5-0. Allez, quand on nous la donne comme ça, on la prend. Et la balle de match sur un ace. Oh là là, sur la ligne, absolument parfait. 22% d'ace, hey, quand même, ça s'améliore vachement. Le premier tour effacé tranquillement. On se concentre sur la prochaine étape. Pas mal du tout. Pas mal du tout, Arthur. Allez, planche de secondaire. On va voir, hein. Alors oui, je vous ai pas montré. Hop, dans planning, en fait, c'est là où on voit la maîtrise des surfaces. Hop, voilà. Saison terre battue. On en est là normalement. Nous, on est en semaine 12, donc ça s'affiche pas ici. C'est bizarre d'ailleurs que ça s'affiche pas. On peut pas défiler, je ne sais pas pourquoi. On voit au début, on maîtrisait pas du tout la terre battue là. Au début, en termes de semaine. Et actuellement, du coup, on est à une maîtrise de 50% en terre battue, 25, un peu moins de 25 en gazon, on est à 20 peut-être. On a atteint 75% en dur et on est à peut-être 72% en indoor. Voilà. Je voulais vous montrer parce que je l'ai trouvé tout à l'heure et je me suis dit que je ne vous l'avais pas dit. Alors, ou alors on joue un petit peu, c'est ouais, on voit, hein, tout ce qui est note à 5 là, tout ça, c'est.
En fiche technique, il commence pour son âge à avoir une fiche technique correcte, vous voyez. Mais là, le problème, ça va être vraiment tout ce qui est ici. Je me dis qu'il va vraiment falloir qu'on améliore la chose là. Ouais, on a gagné 10 euros au R10 de Poitiers. Incroyable. On est riches, les gars. Allez. On affrontait le 506e. Maintenant, ça y est, le 111e. Devrait y avoir un tout petit peu plus de résistance quand même. Allez. On veut rien d'autre qu'une victoire, même si le match, c'est pas forcément le plus important de sa carrière. First set. Allez, c'est parti, Arthur. Forward, Ouh second là là, ça set. commence mal. Ok. C'était Petit serve. étrange le moteur du jeu, ce qu'il a fait là, mais bon, pourquoi pas. Allez, hop. Oui. Ouh là, je pensais qu'il l'avait pas là, l'espagnol, mais il l'a eu. Et du coup, on se retrouve au First filet. Ouais, ball. c'est cool. Parce que c'est pas sa Ball, spécialité à second serve. notre joueur, le filet quand même. Oh, il est bon par contre sur Forty son revers à deux mains, je love. trouve. Second service. Ok, c'est pas mal. Ouais, allez, remporte-moi ce premier jeu tranquillement, s'il te plaît. Game. First game. Voilà. Allez, Ball, second t'enflamme pas serve. quand même. Non, on l'a. Allez. 2-2, 3-2, 3-3, Thirteen 4-3 et fifteen. première balle de Ball, break pour second serve. Arthur. Peut-être au meilleur moment du coup parce que ça voudrait dire qu'on sert. Ouais voilà, on va Game servir pour to le you. 7. Forward, C'est second excellent de service. pouvoir faire ça comme ça. Love, fifteen. Allez, relâche-toi, regagne un peu en confiance. Voilà. Et boum! Oula. Allez, c'est bien. J'ai Fifteen cru qu'il ball. avait réussi à te lober, mais non. Oh, ce service absolument magnifique. Et tu croises cette Thirteen balle. fifteen. Incroyable, Arthur. Très Ball, très bien. second Ouh, non, service. dommage. Le T était une bonne idée. J'ai cru que c'était trop long. Mais au Forty final, c'est fifteen. l'Espagnol qui est trop Ball, long. Il est second stressé alors service. que Arthur est déterminé. Game Déterminé first à set. remporter ce premier set sur un ace. Encore une fois, il aime faire les choses bien. 6-3, bah écoutez, continue, tu as le contrôle du Second match, tu es à peu set. près tranquille, mon Arthur. Allez. Il est 13-14. présomptueux, Ball, on va second lui dire de pas service. s'enflammer quand même. Présomptueux, c'est pas Game bon signe, to même s'il you. mène 2 à 1, 3 à 1 Ball, désormais, et une forward, autre balle de break. Ouais, il est en second train set. de prendre toute la mesure de son adversaire, Arthur, là. C'est pas mal du tout. Est-ce qu'il va... Ouais, Hammer. tranquille, Ball, game to you. tranquille. Allez, 5-1. Et 13-14. possibilité de balle Forward, de match sur second le service. service de notre adversaire. Out, Ouf, deuce. c'était loin. On revient à Ball, second égalité. service. Allez, fais pas trop durer le match, Arthur, ça serait bien. En moins d'une heure à chaque fois, on voit que sinon après tu Advantage. commences à avoir du mal. Fault, second service. Quitte à, Game. voilà, quitte, j'allais dire, à lui 5-2. laisser le jeu pour le tuer sur ton service à toi et en finir rapidement après. Ouh. Game and first Allez, set. 6-3, 6-2, 1h03 de match. C'était pas trop mal. Simple, efficace. Alors, voyons voir. On continue. Nesterov, qu'est-ce qu'il est? Il est 35e. Ah oui, d'accord, ça va plus du tout être la même chose. Surtout qu'il est reposé, lui, hein, son adversaire à forfait. On va augmenter l'intensité de nos points, bien évidemment. On voit hein, le jeune Bulgare de 18 ans qui progresse plutôt bien. Est-ce qu'on a son... Ouais, non. On n'a pas sa fiche en entier, malheureusement. Ouais, c'est sa surface préférée. D'accord. Ses points forts, ok. Points faibles. Il est très faible en accélération, du coup, si on lui fait faire un petit rallye, ça devrait être pas mal. Retour. Allez. Ouais, je commence à me méfier un peu plus de mes adversaires aujourd'hui. À partir de maintenant, parce que là. On a vu hein, qu'on n'était pas au niveau pour le 300 ou pour le First pro, set. enfin pour les rookies en pro. Du coup, il va falloir Forward, second service.
Va falloir faire très attention à nos adversaires, les étudier un peu plus. Love 15. Fault. Second service. Et engranger la confiance pour la suite de la carrière d'Arthur, bien évidemment. Out. 15-0. Fault. Second service. Allez, c'est pas mal. En face, il est enthousiaste. Nous, on est inquiet, étrangement. Fault. Second service. Pourquoi est-il inquiet? Out. 40-15. Fault. Second service. Et boum! Yeah, bien ça, Arthur. Allez, c'est bien. Première barrel de break tout de suite d'entrée de jeu, c'est bien. Ça fait du bien au moral, ça. Faut pas la perdre. Ah, dommage. C'est dommage parce que ça aurait fait. Ouh, le service du Bulgare impressionnant. Oh. Ah oui, d'accord. Ah, d'accord, c'est. Il blague pas du tout, il a pas oublié le petit filou tube à la... durant sa croissance, lui. Heureusement pour nous, par contre, la précision, c'est pas trop ça chez lui. Très très puissant, mais pas très très précis. Ah, dommage. Allez, essaye de l'avoir. Non, aïe 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 aïe. Je pense que le Bulgare va réussir à remporter son jeu de service. Ça serait dans la logique des choses. Après tout, quand même, ce 32e, c'est un excellent adversaire. Hein, faut pas l'oublier. Ce match-là va pas être aussi simple que les autres. Allez, on a à nouveau une balle de break. Après avoir remporté notre service. Allez. Ah non! Plus fort, Arthur, plus fort. Eh, mais nous aussi, on est mauvais en accélération. Et pour l'instant, c'est lui qui nous promène. Aïe aïe aïe. Oh, oh là là, les services qu'il nous met. Allez. 4-3. À nouveau une balle de break. Pour l'instant, il les a absolument toutes sauvées quand même, hein, le Bulgare. Est-ce qu'il va finir par en céder une? Ça serait bien pour nous. Nous céder une petite balle de break. Non. Toujours pas, visiblement. Il n'a pas l'intention de se laisser faire. Allez, relâche-toi, envoie des missiles. Allez, 5, 5 partout, 6. Allez, la balle de 7. Est-ce que la première balle de break remportée serait la balle de 7? Ça serait quand même ultra important pour nous. Ça nous éviterait d'aller jouer au tie-break le gain du 7. Aïe, 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 je crains le pire. Allez, Arthur, tu t'en sors bien pour l'instant. Ouh, elle était limite cette balle. Oui, bien joué, ça c'est absolument parfait. 21% d'ace, 82% de victoire, de points gagnés, pardon. Deuxième service, c'est plutôt pas mal. Allez, j'espère juste que tu vas mieux t'en sortir sur le second set, qu'on ne le fasse pas éterniser comme ça. Ouais, vas-y, garde la balle dans le terrain, déjà, ce sera pas mal. Allez, c'est reparti. Allez, déjà d'entrée, deux balles de break possibles, ça serait bien. La seule qu'on a gagnée pour l'instant, c'était la bonne, on va dire, hein, quand même, vu que c'est celle qui nous a permis de remporter le set immédiatement. Tu peux le faire. Allez. Ouh, oh là 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 là, ça va chercher loin les lignes là-bas. Ouais, non, c'est pas bon ça. Arthur est déjà en train de perdre pied. Oh là là, on s'en sort bien. On s'en sort bien du coup. Deux balles de break gagnées. Et une autre possible. Une autre balle encore qu'on pourrait avoir. Ouais, son revers il est bien là, mais l'adversaire qui nous fait courir encore plus. Oh là 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 là, c'est service qu'il envoie. C'est pas un bras qu'il a, c'est un canon. C'est incroyable ça. Allez.
Est-ce qu'on va réussir à récupérer ce... Je pense que ce jeu, on va pas réussir à l'avoir parce que s'il commence à envoyer des gros missiles... Oh là 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 là. Je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, hein, mais j'aimerais bien qu'il y ait le kilométrage des balles au service là. Parce qu'il y en a, j'ai l'impression, c'est incroyable ce qu'ils envoient. Ah là là, encore. Ouais, trop court sur celui-là. Aïe aïe aïe. Bon, après, ça ferait que 3-1, hein, ça serait logique. Après un premier set très disputé, pour l'instant, on a pris de l'avance dans le second set. Oh là 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 là. Oh! Ah non, il est très très bon en face, hein. Ouais, il a remporté du coup le jeu et il nous prend potentiellement deux balles de break là. Allez, déjà une de sauvée. Allez, les deux balles de break ont été sauvées par Arthur, ça c'est déjà ça. Ah, il est beaucoup plus agressif à son service quand même, hein. Ouais. Ouh non, je suis pas sûr que le jeu était là. Mais c'est pas grave. Au moins c'est fait correctement. Ouais, vas-y. Ace-moi ça. Non, pas du tout. Heureusement qu'il rate son retour. Allez. 5 à 2. Potentiellement une nouvelle balle de break, de set et de match. Allez, non, c'est trop long ça. Aïe 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 aïe. Allez, reste concentré. Oh là là, il suffit de lui dire de rester concentré pour qu'il perde ses moyens. C'est incroyable ce mec. Oh, superbement placé celle-là, par contre. Oui! 7-5-6-2, le Bulgare qui nous aura épuisés aujourd'hui. Ah là là, bravo, faudra gagner le prochain aussi. Allez, le jour de repos qui va faire du bien avant la demi-finale. Ouh là 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 là, c'était chaud. C'était chaud, surtout que là, on va affronter du coup techniquement plus fort que nous. Pedro Boscardin Diaz, tête de série numéro 5, qui a écarté Luca Nardi en plus en 3-7 au tour précédent. Oh! Ouh là 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 là. Allez, le 11e junior contre le 12e junior. Ça va être quelque chose de très très grand. Est-ce qu'on connaît un petit peu sa fiche à lui ou pas du tout? Non, non, on ne connaît pas. Alors on va y aller à fond, hein. Pas de confrontation pour l'instant. Ouais. Ça va être compliqué, je pense, ce match. Alors, c'est pas parce qu'il est mieux classé qu'il est meilleur. Tu peux l'avoir. Comme tu en as eu d'autres avant lui. Et tu sais ce qu'on va te dire. On va te dire que tu peux le faire. Avec un premier ace déjà de placé. Il paraît encore très très grand notre adversaire. Allez, pour l'instant, 30 à 15. Ouais, lui renvoie pas des balles trop faciles sur lui quand même, ça serait bien. Parce que là, pour l'instant, lui, il a pas besoin de bouger. On renvoie tout sur lui. Alors que nous, il nous fait bouger. Voilà, dès qu'il sort de sa position, il n'y arrive plus, l'adversaire. Donc, oh non, double faute, Arthur, ça devrait plus exister, ça. Mais oui, tu t'es avancé alors que tu sais pas faire. Oh, il m'énerve, il va perdre son jeu de service bêtement, je sens. Allez, le gros match qui passe bien. Un ace pour finir. Non, dommage. Ça aurait été bien de remporter ce premier jeu avec la manière, mais à la place, il nous montre que chaque jeu va être un combat. Allez. Ouh là 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 là. Ouh, il renvoie encore ça. Ouais, c'est dehors, heureusement.
Presque 5 minutes pour le premier jeu. Ouh, balle de break totalement sauvée par Pedro en face. Allez. On re-rentre dans le rythme. Voilà, la spéciale à l'autre bout. Et tu croises dans... Non, dans le terrain par contre, s'il te plaît, pour croiser. Oh là 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 là. Mais c'est quoi ces services du Brésilien? Allez. Nouvelle balle de break pour Arthur. Après avoir remporté son jeu de service. Allez, l'écart qui commence à se creuser, ça c'est bien. 4 à 1, 4 à 2. Et non, là par contre, c'est nous qui sommes en passe de se faire débreaker par le Brésilien. Et on lui donne en plus, parce qu'on est bête. Allez, 3 balles pour réaliser un nouveau break immédiatement. Oh là 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 là, Arthur, non! Tu mènes 40-0 et tu te fais fusiller comme ça, c'est pas possible. Normalement, c'est toi qui as le moral là. Voilà. Mais non, Arthur! C'est pas possible ça! Comment tu passes de 40-0 à te faire fumer ton truc comme ça? C'est pas possible! Allez, balle de 7 pour Arthur quand même. Est-ce qu'il va y arriver? Ceci est une autre histoire. On a déjà vu, hein, mener 40-0, ça lui suffit pas toujours. Alors là, 40-15. On ne sait jamais. Allez, de l'autre côté. Ouais, très bien. Voilà, le premier set qui est assuré là-dessus. 22% d'ace quand même, hein. Allez. Second set. Tu peux le faire. On voit, on n'en est qu'à 40 minutes de match. Hein. L'Espagnol au tour précédent nous avait. Le Bulgare, pardon. Du tour précédent nous avait fait beaucoup plus long. En même temps, on a fait un 7-5. Et pour l'instant, on est en train de totalement perdre notre jeu de service. Pour rentrer dans ce second set. Bulgare qui revient avec des meilleures intentions que nous. Allez, très bien. La spéciale qui est passée, ça c'est cool. Ouais. Allez, il l'a mise dehors, profites-en. Il aime pas quand tu lui mets ces balles là. Non, ça c'était dehors, ça se voyait. Ouh. Très très bien, l'ace. Celui-là, on l'a vu venir. Ouais, advantage. Non, ça c'est dehors. Oh, le retour. Allez, c'est dehors. Le premier jeu est à toi. Bravo. Un partout. Et 3 balles de break déjà pour le Brésilien en face. Qui va la convertir lui sans hésiter une seule seconde. Allez, balle de débreak. Effacée en un ace. Double ace. Allez, vérifie ta raquette s'il n'y a pas des trous. Ouais. Vérifie s'il n'y en a pas aussi dans ton cerveau, s'il te plaît. On dirait que tu as des absences. Allez, égalité. Bah, t'as raison. Tu devrais lui mettre encore mieux. Il n'a pas eu un sparring partner assez bien pour s'entraîner au ce match-là. Oh là 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 là, le Brésilien qui nous roule dessus. Allez, relâche-toi. Bien, voilà. Faut pas perdre ce jeu-là, sinon on sera dans une position extrêmement difficile pour la suite. La spéciale qui va mettre l'adversaire en difficulté. Non, mais ça c'est sur lui. Heureusement qu'il la rate. Hein. Allez, débreak-moi tout ça, Arthur, s'il te plaît. Ouais, forcément. Forcément, forcément. Allez. Advantage. Faut qu'on réussisse à se débreaker si on veut pouvoir réussir. Oh là 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 là. Ouais, bah je pense qu'on c'est pas pour tout de suite. Hein.
Allez, heureusement pour nous, il a raté trois services d'affilée. Ouais. Allez, c'est bien, on a l'avantage. Ouais, le met pas sur son coup droit, hein. Oh là 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 là, on est dans une position délicate à chaque fois. Faut vraiment qu'on améliore le jeu de jambes et l'accélération en fait. Parce que il est beaucoup trop en difficulté sur ses déplacements pour ce niveau-là, visiblement. Et pourtant, c'est qu'un 200. Ouais, là, ça va être difficile, je pense. Ah, voilà, on perd le second set, c'était malheureusement prévisible. Ah là là, il en fait un petit peu trop. Peut-être changer de plan de jeu. On avait dit qu'il fallait commencer à bosser la déviation. Peut-être que ça peut marcher sur ce joueur-là en face. Allez, advantage. Allez, fais-le bouger s'il te plaît. Ouais, le passing shot, bien. On prend son break d'entrée. Ça, c'est cool, c'est fait. Oh là là, il peut se débreak tout de suite par contre. Non, dommage. Allez, 3-3. Deux balles de break pour Arthur dans ce set décisif. Ouh là 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 là, ouais, celui-là il fait mal. Allez, reste concentré. Ça l'a motivé, c'est cool. Ça serait bien si on arrive à lui prendre cette balle de break. Allez, gauche droite, c'est bien. Il a du mal à suivre. Ah non! Dans les limitations du terrain, Arthur, toujours. Ouais, bien celle-là. Elle était pas mal, c'est dommage. Non, trop longue ça. Ouh, ça passe de justesse. Ah, par contre, la suivante, bien évidemment, si tu la mets plus longue alors que tu étais déjà sur la ligne, tu vas pas y arriver, mon grand. Allez, 4-4. Nouvelle balle de break à nouveau. Mais bon, quand on voit combien il en sauve, voilà, elle est sauvée. Le problème, c'est qu'Arthur, il connaît pas encore bien le jeu en déviation. Il le connaît même pas du tout, du tout. Après, on voit, hein, même en connaissant pas, ça permet de faire un peu jeu égal avec notre adversaire là. Ouais. Ah non! Mais non! Pourquoi tu l'as mise dehors? Il était monté au filet, t'avais plus qu'à la mettre tranquillement sur le côté. Allez. C'est pas mal. J'hésite à le faire à nouveau changer. Laisser finir le jeu, voir ce que ça donne. Si on lui prend la balle de break, je change pas. Mais si on lui prend pas, on va être en position délicate. Oh, c'est serré. Et en plus, on est vraiment fatigué là. Yes, bien joué. Oh, mais non! Ça sert à quoi de batailler pendant 10 minutes pour se faire manger un ace comme ça? Voilà, le deuxième. Ah, vas-y. Vas-y, on va changer. Hein. Jeu puissant de fond de course et tout. Allez, 5 partout. C'est notre plan de jeu secondaire, on le connaît très très bien lui par contre. Allez.
Tu sers pour le match, Arthur, tu sers pour le match, ne l'oublie pas. La place en finale. À nouveau, ça serait bien qu'on renoue un petit peu avec les finales après avoir eu un passage un peu plus compliqué là sur les tournois précédents. Ouais, bien celui-là, bien. Très très bien. Voilà. Ça a été compliqué, mais ça a fini par passer. Ouais, film d'action. 3-7. Ouais, tout le monde au club s'y attendait, on connaît Arthur. Il nous pose des questions un peu bêtes, je trouve. Allez. La finale contre l'autre Français, il me semble. Ouais, c'est ça, la tête de série numéro 8 qui a effacé la tête de série numéro 1. Ça va être un match franco-français très intense. Allez. Reste dans la continuité de ce que tu as fait au match précédent, c'est-à-dire des victoires. Allez, on n'a pas le service, mais on a possibilité de lui prendre quasiment immédiatement son service. Première balle de break en cours. Allez, la spéciale qui va le mettre mal. Ah non. Première balle effacée. Encore une. Et elle ne sera pas sauvée. Cela fait donc déjà 1-0 et possibilité de débreak le jeu suivant immédiatement. Et ouais, notre adversaire n'est pas là pour rigoler. Lui aussi, il est sur une grosse phase positive hein, quand même. L'air de rien, on se voit très beau parce qu'on est 12e junior mondial, mais il faut pas oublier qu'on est là aussi en arrivant de très loin. Il y en a qui sont établis à ce niveau-là depuis un certain temps. Nous, on n'a que 16 ans. Forcément, on a 1 ou 2 ans de retard par rapport aux autres joueurs juniors qui ont bah, 17, 18 ans et qui sont dans le top mondial junior depuis 1 ou 2 ans. J'ai oublié de dire qu'ils pouvaient le faire. Allez. Oh, c'est plutôt tranquille là, apparemment. On est bien parti. Ouais. On est plutôt très bien parti, il y a 4-0. On a à nouveau 2 balles de break qui se sont fait effacer, plus qu'une désormais. Ouais. Allez Arthur, tu peux le faire. Yes! Allez, on sert pour le 7. Ça, tu sais faire normalement, Arthur. Voilà, mets-le en difficulté comme ça. C'est parfait, 6-0. Pour le premier set de la finale, l'adversaire qui ne voit pas le jour continue comme ça, c'est extraordinaire, je suis tout à fait d'accord. Allez, allez, si on arrive à le breaker d'entrée, et en plus sur un 40-0, ça serait absolument parfait. Ouais, bam! Non, j'aurais vu la spéciale là. Ah, bien, la volée comme ça! Parfait! L'adversaire qui se fait déjà mener 2-0 et qui sur tous ses services mange un 40-0. On peut féliciter Arthur là pour ce qu'il est en train de faire. Il fait un match tout à fait exceptionnel. Bien évidemment, on le félicite et du coup, il va perdre son propre service. Ouh, c'était bien tenté de la part de notre adversaire là. Allez, une balle de break sauvée, l'autre en double faute. Heureusement qu'on a amélioré ton service. Allez, 4-2. Nouvelle balle de break pour Arthur. Qu'il a gentiment rendu à son compatriote. Allez, c'est pas mal pour l'instant. Ah, dommage. Dommage, dommage. Ouais, notre adversaire qui commence à jouer de mieux en mieux, on dirait.
Ouh, mais qui a rien pu faire sur ce service. Et celui-là qu'il renvoie avec difficulté. Ouais, mais il nous fait bien courir. Allez, reste concentré quand même, s'il te plaît. Finis le match comme il faut. Ouais, c'est pas mal ça. C'est pas mal du tout. Oui, mais c'est pas mal du tout ça même. Allez, on n'est plus qu'à une balle d'un nouveau titre pour toi, Arthur. Allez, 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 ça ferait déjà le quatrième, hein. En moins de 14 semaines. Une machine. Nous sommes en train d'entraîner une machine. Et la machine s'appelle Arthur Fils, nouvelle victoire. Incroyable, il est exalté, match dantesque. Incroyable ce que tu as fait, mon grand. Bravo à toi. Ah là là. Bravo. Absolument, ce titre ne sera pas le dernier. Vous savez ce qu'il doit faire. Ouais, il est notre joueur référence, c'est sûr. Pour l'instant, on va pas engager un autre joueur, hein. De toute façon, on n'a pas les moyens. Et on enchaîne tout de suite. Ah ouais! On a une wild card pour celui-là. On va la refuser également, hein. Les juniors 200, on va les refuser. On s'est fait refuser en rookie ici, malheureusement. On est passé dixième, hein, quand même. Ça, c'est pas mal du tout. Le planning, du coup, là, on en est où? On va être 16, semaine 13. Et on est préinscrit pour le S17 là. Je pense qu'on va faire le S300 là. Et après, celles de là, on va les garder réellement pour faire de l'entraînement en préparation du MTL. Je pense que ça sera quand même le mieux pour notre joueur qui a gagné tous ses matchs sur terre battue. Du coup, oui, forcément. Allez. C'est stressant ce genre de petit match. Et on réaffronte tout de suite Pedro en plus. Oh, aïe, 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 aïe. Ça va être très compliqué. Pedro qui est toujours tête de série. Nous, on est invité en wildcard pour celui-ci. Et on voit que la tête de série numéro 1. Joueur mondial numéro 2 chez les juniors est présent, Martin Dam. Et on va commencer très intense immédiatement. On va être obligé, hein. Allez, le classement n'est qu'un chiffre, surtout qu'ils n'ont pas mis ton classement à jour. En réalité, tu es devant lui. Allez, tu peux le faire. Ce Brésilien qui nous a fait tant souffrir. Allez, un partout. Et première balle de break possible, effacée bien évidemment. On s'en doutait. Allez, vas-y Arthur. Ok. Et pour l'instant, il garde son avantage, j'ai envie de dire. Ça serait bien qu'on arrive réellement à le briquer d'entrée. Yes! Parfait. Allez, maintenant, il va falloir garder ton service. Voilà, le convertir, c'est parfait. Nouvelle balle de break. Ouh, ça, je ne pensais pas l'avoir. Ouais, forcément, il va l'effacer, hein. Allez, 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 Arthur! On va rester sur ton plan de jeu premier que tu connais si bien pour l'instant, mais on changera sûrement après. Oh là 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 là, ce qu'il nous met! Allez. Comment ça, on l'a déconcentré en le motivant? C'est n'importe quoi. Allez, heureusement, il efface l'avantage pour revenir à 40A.
Ouais. Oh là 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 là. Cette extension qui nous fait faire. Advantage. Fault, second service. Ouh là là, ouais, là il va nous achever, ouais. Game. Forcément. Three games to Allez, c'est two. pas grave, on a toujours techniquement un jeu d'avance si on ne se fait pas des breaks. Et bien évidemment, le Brésilien qui peut tout de suite nous Hamilton. Three games enchaîner. all. Aïe, aïe, Fault, aïe, ça second y est, on est service. revenu à Fault, égalité. 15-14. Va falloir réussir à réobtenir le débreak là. Game. Four Yes! games to Heureusement, on two. l'obtient tout de suite. Fault, Et après, 14-15. conserver ton jeu de Fault, service, second Arthur. service. Game. Four games Non! scored. Comment tu peux encore faire des doubles fautes avec tout le 15-14. travail sur le Game. service qu'on t'a fait? Fault, second service. Oh là là. Out, advantage. Fault, second Pedro service. Boscardin Diaz. En tout cas, on va retenir ce nom, hein. Deuce. Je pense qu'on va l'affronter régulièrement. Fault, second service. Ah là là. Out, advantage. Et à chaque fois, les tournois Out, deuce. en 300, hein, c'est plus la même chose, hein. On a beaucoup plus de mal à chaque fois, étrangement. Out, advantage. Fault, Peut-être parce second service. que les meilleurs Fault, joueurs s'y retrouvent, five parce que games to le cash four. prize est beaucoup plus intéressant. Fault. Allez, Fault, possibilité second ici de remporter service. le premier set, ça serait une bonne idée de le faire rapidement. Out, 40-30. Ne pas laisser aux Brésiliens le luxe, Game voilà, one, de se first dire qu'ils set. pouvaient revenir. Allez, c'est pas mal. Allez, ne le laisse pas dicter son jeu, Second dicte set. le tien plutôt. Fault, second service. Allez, tu peux le faire. Retrouve un peu de confiance. Il y a un partout. 2-2. 3-3. Advantage. Et première balle de break obtenue par Arthur. Deuce. Ouh, cette ligne Fault, incroyable. second service. Ok. Ouh Out, ouais, advantage. out. Fault, second service. Fault, four games Allez, la balle to de break qui est obtenue. Du coup, si jamais on remporte notre jeu de two. service, Fault, 15-14. bien évidemment qu'on va Fault, pas le second remporter. service. Le match est serré, il le sera jusqu'au bout. Allez, l'ace 35 pour rêver encore un petit peu. out. Deuce. Ouais. Fault, Continue second comme ça, s'il te service. plaît. Yes, parfait, Advantage. un ace en seconde balle, c'est absolument parfait ça. Fault, second service. Allez, t'as l'avantage. Si tu mets celui-là, t'es quasiment assuré d'avoir le match. Yes. Five games Allez, to t'es two. tranquille maintenant. Plus qu'à s'assurer le match. 5 à 4. Oh là là, c'est serré avec le Brésilien. Oh là 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 là. Ah, il nous a eu. 40-30. Mais le Game and set point. service d'Arthur qui va réussir à remporter ce premier tour du tournoi 300. Oh là 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 là. Et il va nous en faire voir de toutes les couleurs, je pense, ce joueur. Allez. Nous voici en R16 désormais contre Coleman Wong. Martin Dame qui s'est fait écarter, hein, on voit. Mais bon, en même temps, quand on voit le niveau des joueurs, il y a quand même du très bon niveau. Nous, on va affronter le 18e. Très, très fort. On l'a jamais affronté pour l'instant. On va pouvoir réduire un tout petit peu l'intensité quand même. Pas cramer. Arthur n'a pas apprécié qu'on lui Count. dise de faire attention. First set. Allez, tu peux le Fault, faire. second service. Out, love, 40. 15-14. Ouais, ça va être tendu. Ça va être tendu, tendu. Pour l'instant, on est dedans en tout cas. Ok.
Allez, c'est pas mal tout ça, c'est pas mal du tout. Premier jeu remporté du coup. Notre jeu de service qui se déroule tranquillement. Et le second jeu de service qui se passe moins bien. Balle de break possible pour Coleman Wong qui nous rattrape. Allez. Il nous a débreaké tout de suite, malheureusement. Allez, possibilité de récupérer notre balle de break. Ça serait une bonne idée. Voilà, très très bien Arthur tout ça. Très très mauvais Arthur tout ça. T'as battu pas notre meilleur élément, mais pourtant on s'en sort bien pour l'instant dessus. Ouh, énorme service. Heureusement pour nous, il était faute. Tu peux arrêter de lui remettre sur lui, s'il te plaît? On a perdu notre balle de break très bêtement. Et maintenant, je pense que notre adversaire va réussir à remporter son jeu de service. Voilà. Allez, 4-4, 5-4. Oh là là! Et on sert pour tenter de protéger le 7. On va critiquer un petit peu. Ça fait longtemps qu'on ne lui a pas poussé une petite gueulante. Et on a raison, parce qu'il est mauvais. Allez, lâche rien. On va changer de jeu, on va passer en puissant de fond de court. Oh là 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 là, notre adversaire qui nous domine. Allez Arthur, on est concentré, on est derrière toi. Très bien ça. Allez, ah oh, dommage. Ok, le service était bon, c'est dommage. Faut réussir à taper tout ça un peu mieux. Oh là 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 là! Les balles qu'il nous place en face. Heureusement qu'il en met quelques-unes dehors. Sinon, on serait vraiment très embêté. Arthur qui s'acharne à servir très fort, même en second service. Oh non. Allez. Ah, je suis désolé, je parle pas beaucoup là, mais je suis très concentré sur ce que fait Arthur. Essaye de regarder ce que ça fait un jeu puissant de fond de court, sans qu'il soit offensif. Ouh, énorme ce match-là. Ouais, elle est pas mal celle-là. Bien trouvé. Ah, mais non! Fallait frapper dans la balle un petit peu quand même. Voilà, très très bien ça, belle réaction. Allez, de partout, possibilité de prendre le service de notre adversaire ici. Mais ouais, Wong qui continue à faire d'énormes services, hein. Arthur, lui, qui s'acharne, je sais pas pourquoi. On lui dit de faire un jeu puissant et soit il les met très 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 longues, pas si fortes que ça en plus. Soit il les met en amorti presque. Ouais, voilà, c'était comme ça qu'il fallait faire. Excellent. Allez, tu peux le faire. Allez, 4-2, 5-3. Et possibilité de balle de 7 sur cette balle-là. Yes! Allez, on revient. 7 partout. 4-6-6-3 pour l'instant. C'est pas trop mal. Il est bien, notre Arthur. Il est très bien. On va continuer comme ça. Allez, tu peux le faire. Tu l'as bien remonté sur le 7 précédent.
Allez, ouais, c'est bien ça. Ouh. 40 low. Fault. Second service. Fault. 40 50. Fault. Second service. Comment ça, il en rate autant là? Ouais, tu m'as fait peur, Arthur. Fault. 15 40. Fault. Second service. Aïe, aïe, Victor. aïe, 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 aïe. 8 to 1. Allez, ça serait bien de Fault. réussir à te Second service. débriquer là, Arthur, s'il te plaît. Oui, très très bien, Four exactement. games score. Allez, tu peux le faire. Four, second service. Allez, 5-5. 15, 40. Voilà, ne perds 13, surtout 40. pas ton service là, s'il te plaît. Sinon, Four, après, on va second devoir service. résister sur tout le service de Wong. Ça serait une mauvaise idée. Game. Ça serait une 15, mauvaise 40. idée. Parce que là, du coup, 30, 40. il Four, faut second service. vraiment qu'on égalise à 6-6. Oui! Tiebreak. Six games score. Allez, le tie-break pour une place en quart de finale de Junior 300. Fault. Second service. Ouais. Out. Allez. Ça fait 2-0. Elle était longue celle-là. Out. 3-0, c'est parfait. Ouh, belle ligne trouvée là. Out. Non, ça c'est pas la ligne par contre. Four, second service. Ok. Allez, 3-1 pour l'instant. Mais non, t'avais largement le temps de frapper dedans. Out, free all. Fault, second service. Out. Allez, tu peux le faire. Ok. 5-3. Non! On était si proche du match. Et là, maintenant, on se fait 5-4. égaliser. Fault, second service. En plus, on n'a toujours pas atteint Out. le fameux score là. S'il met encore un point à notre adversaire, c'est gagné pour lui. On est passé en passe de gagner ce match. Allez, 6-4. on a obtenu le point d'écart. Pourquoi avancer pour reculer après, Arthur? C'est la question que je me pose. Allez, 7-6. Fault, Allez, second encore un service. point. Si tu mets celui-là, Arthur, tu passes en quart. Oh là 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 là, ça flirte avec la ligne. Oui! Game and set. Superbe, Arthur! Excellent ça! Oh la vache! C'était tendu, comme on dit. Alors, objectif, on est toujours à avoir le centre d'affaires numéro 1, qui va bientôt être fini normalement, non? Infrastructure, on en est où? Encore 11 jours, très bien. Ouh, c'était tendu. Ça permettrait de faire quoi le niveau 2, juste de ça? Ah, on aurait des entrées un peu des meilleurs entraînements. Après, ça prend 5 mois. On va peut-être attendre un petit peu pour faire ça. On gagne pas encore assez d'argent, hein. On est en perte pour l'instant, on va peut-être éviter de dépenser autant. Allez, du coup, on va jouer contre la tête de série numéro 2 désormais. Incroyable, on a vraiment un tableau avantageux, hein? Allez, Pierre-Yves Bailly. Pour l'instant, la seule fois où on l'a rencontré, notre ami belge, on l'a vaincu. Il va falloir réussir à refaire la même chose. On l'a vaincu ou on a perdu? Non, c'est défaite ça, on a perdu contre lui. J'étais en train de me dire. Allez.
Grand rendez-vous. Time. First set. C'est parti, Arthur. Tu le sais, hein, mais tu peux le faire. 15-0. Voilà, d'entrée. Four. Second service. Arthur, ça serait bien que tu ne... Il a pas trop réagi sur les deux premiers points, mais... Que genre tu te fasses pas voler ton service d'entrée, en fait, s'il te plaît. Ce serait une bonne idée. Ouais. Allez, termine-moi ce jeu, s'il te plaît. Oh là 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 là! Magnifique ça! Allez, un partout, 2-1. 30-40. Possibilité de balle de break ici pour Arthur. Il est allé la chercher sur la ligne, celle-là. Bon, le Belge, par contre, qui va réagir immédiatement. Ah, notre adversaire est meilleur que nous, hein, et on va pas se mentir. Forcément, il a de la ressource. Va falloir vraiment tout donner. 30-40. Four, second service. Allez, pour l'instant, c'est bien. On a effacé déjà les deux premières balles de break. Allez, oui! Parfait! Les trois balles de break ont été sauvées. Second service. Faut pas lui en offrir une quatrième, voilà. Balle de break sauvée et possibilité. Non, dommage. J'allais dire possibilité de prendre le jeu, mais là, ça y est, tu l'as. Allez, gros service. Allez, smash ça. Yes! Le jeu a été sauvé de la plus belle des manières. Allez, 4-2, 5-2 et 3 balles de 7 pour Arthur. On aurait fait extrêmement mal, on va le féliciter quand même. On a fait extrêmement mal aux Belges là sur ce set. Ouais, 6-2, ça va faire du bien au moral ça. On a sauvé toutes les balles de break possibles. Très 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 bien. Allez, il n'a pas dit son dernier mot, fais attention quand même. Allez, on est parti. 1-0 déjà, ça commence bien. On change pas de plan de jeu pour l'instant. Notre adversaire qui a du mal. Oh là 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 là, ces petites balles au ralenti là. Allez, il a sauvé les balles de break en attendant. Advantage. Est-ce qu'on va réussir à la prendre cette balle? Out, deuce. Non, visiblement. Hein. C'est dommage, hein, on pourrait le Out, mettre tout de advantage. suite Four, la tête second dans le service. sable. Ouais. Serré. Allez. Pousse-le à la faute. Out, deuce. Yes! Advantage. Fault, second service. Out, deuce. Fault, second service. Out, advantage. Aïe aïe Four, aïe, ce second point qui service. s'éternise hein, concrètement. Enfin, pas ce point, ce jeu. Ouais, j'ai cru qu'il allait encore une fois pas taper dedans. Ouais, c'est pas mal. Allez, on est à nouveau à égalité. Out, advantage. Allez, l'avantage Four, pour second nous. service.
Belchi commence à faire des erreurs. Il a peur. On le voit, il est stressé. Mais bon, Arthur lui rend les balles parce qu'il aime pas voir ses adversaires stressés. Il a un grand cœur. Voyez, Advantage. il va même lui Four donner le second jeu, service. visiblement. Deuce. Ouh. Ou alors Four il joue avec second ses nerfs, on sait service. pas, il joue avec les nôtres, en tout cas, ça c'est sûr. Ouh là 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 là. Oh, ça va viser les lignes. Ouais, c'est pas mal du tout ça. Ouh, ça a été sauvé, mais ouais, on pourra pas sauver la suivante. Allez. Out, deuce. C'est out. Oh, elle est Advantage. magnifique celle-là. Ouf, son service l'était tout autant. Deuce. Four, Les second deux service. joueurs là qui se rendent vraiment Four, coup pour coup. advantage. Et les Deuce. organismes qui commencent à être fatigués, je pense. Oh là 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 Advantage. là là là, la balle qu'il est allé nous chercher encore là, le Belge. Out, deuce. Oh. À ce Four, jeu qui n'en second finit service. plus. Oh là là. Advantage. Allez, Four, finissons-en, second messieurs. service. Four, deuce. Non, visiblement. Incroyable ce match. Les deux joueurs qui ne lâchent rien là au début de ce second set. L'un comme l'autre savent Out, très très advantage. bien ce que voudrait dire point marqué par Arthur, mais non, ouais. Le Belge qui va nous égaliser après un long point. 30-40. Allez, par contre, Arthur, il faut toi aussi que tu ne te fasses pas Deuce. breaker juste après. Voilà, ça c'est très très bien. Explique-lui Advantage. que ton jeu de service ne sera pas aussi long que le sien. Game. C'est absolument parfait tout 15-51. ça. Ball. 15-40. Allez. On est bien, on est très très bien même. Out, 30-40. Fault, second service. Game. Ouais. 3 games to 1. 3-1 pour nous. Fault, 15-40. Fault, second service. Game. 5 games to 1. Fault, second service. Allez, le jeu de match contre la tête de série numéro 2. On aura expédié ce match si on y arrive en réalité, parce que moins d'une 15-1. heure 15 pour l'instant. Allez. Ah, le Belge qui y est plus, je pense. On peut féliciter. Out, Ah, dommage. 15-0. 30-15. Allez. Ah, 40-15. il aime pas les services sur le Fault, thé, second le service. Belge. Out, Non, dommage. 40-30. Fault, second service. Deuce. Arrête avec ton amorti de Fault, second merde! service. Tu ne sais pas le placer! Advantage. Fault, second service. Game and set game. Allez, passage en demi. Passage en demi-finale, ça va être bien là. Oh, je respire. Allez, on est fier de lui quand même.
Et du coup, on s'offre une demi-finale d'un tournoi 300 sur terre battue. Bon, le 29e, ça devrait être plus simple normalement. Fais comme tu l'as toujours fait. En espérant que là, ce match-là aille plus vite. First vote, 30, 40, 4, second Allez, service. tu peux le faire là. Déjà une balle de break Deuce. possible. Vote, second service. Allez, elle a été effacée Out. par Advantage. l'Australien. Vote, second service. Allez, il remporte son premier jeu. 1 partout, 2-1, 2-2. À nouveau deux balles de break pour Arthur Fils. La vidéo commence à être un peu longue, je vais accélérer un petit peu les matchs à certains moments. Non. Allez. 3-3. 4-3. Avantage pour notre adversaire. Aïe 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 aïe. Allez. Ça serait bien qu'on arrive à sauver ça. Non, on va pas y arriver. On est sur une potentielle balle de 7 pour notre adversaire. Ouais, on le sait, hein. C'est pas forcément parce qu'on a le meilleur classement qu'on est le meilleur joueur. On le voit, nous, on a démarré à la 132e place et désormais, nous voilà 10e mondial. En seulement quelques semaines, ça veut rien dire le classement, tout va très très vite. Il suffit de 2-3 bonnes performances. Ou de 2-3 balles dans le filet. Allez, on perd celui-là. 3 à 6. Pas bon du tout. Second set. On va changer de jeu, je pense. Enfin, de style de jeu. 15 love. Four. Pour l'instant, c'est Kulic qui nous break à nouveau. Il peut être vraiment tout simplement meilleur que nous, hein. On s'est vu trop beau après avoir effacé le Belge de là, mais on a encore deux, trois petits obstacles. Allez, on remporte le jeu et on a deux balles de break sur le jeu suivant. Oui, allez. 4-1. Nouvelle balle de break. Est-ce que ce changement de plan de jeu est en train de totalement stresser notre adversaire? J'ai bien l'impression en tout cas. Allez, nous voilà pour revenir à un set partout. Et Arthur qui va récupérer celui-là. 3-6-6-1. Pour l'instant, ça va beaucoup mieux. Allez, laisse parler ton jeu. Allez, d'entrée, une balle de break possible. Oh, un peu trop longue, c'est dommage. Ouais. Allez, un partout. 2-1, 2-2, 3. Ouh là là, notre adversaire qui nous fait très très mal là. Avec 3 balles de break possibles, Fekulic, plus que 2. Dis à Arthur de rester concentré. Allez, plus qu'une. Allez, les 3 balles de break ont été sauvées et le jeu gagné. Allez, nouvelle balle de break pour Sekulic qui a remporté son jeu entre-temps. Ouh là là, il est allé la chercher celle-là, je pensais pas. Allez, elle est out. Ouais, là tu peux la placer, ça c'est bien. À la limite, ça j'accepte. Allez, smash! Voilà! On revient à égalité, c'est parfait. Allez, balle de break, ça serait bien d'en convertir une cette fois. Non, ça c'est pas une conversion. Ça c'est raté. Ouais. Yes! Allez.
sur notre propre jeu. Est-ce qu'on va réussir à remporter le match du coup sur cette balle? Boum! Oui! La finale du Junior 300. Remporter notre place en finale, je veux dire, remporter dans la souffrance. Qu'ils arrêtent de nous poser des questions bêtes, hein. Allez, on fonctionne très bien l'un avec l'autre. Et du coup, c'est parti pour le dernier match, la finale contre Max Hans Riberg. Riberg, je ne sais pas. Notre seul match, c'était une défaite contre lui, visiblement. Tu connais la tactique par cœur, c'est parti. Tu connais ton adversaire, on a déjà joué. Allez, tu peux le faire. Un partout pour l'instant. Allez, première balle de break et elle est pour Arthur. Notre adversaire qui monte bien au filet en tout cas. Ouais. Qui nous a bien eu au filet. Ouh là 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 là. Ah, il est fort au filet, visiblement, hein, notre adversaire. J'avais oublié. Ok, 2-2. À nouveau deux balles de break. Mais est-ce que. C'est quoi comme tactique qu'il a? C'est gros service et monter au filet, je suppose. Non, bah non, parce que là, il n'est pas monté au filet. Mais oui, si tu t'avances trop, lui, il a tous les espaces du monde. Oh là 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 là! Et oui, l'Allemand qui nous mène désormais. Alors 4-4. Aïe aïe aïe. L'Allemand qui joue pour le 7 là. Qui va tenter de nous le prendre. Ça s'est sauvé déjà. Une balle de 7 de sauvé. Et on lui offre le second malheureusement. Allez, on dirait que tu retiens tes coups, tu es mauvais. On va à nouveau changer de manière de jouer pour tenter de déstabiliser nos adversaires. Allez, tu peux le faire. C'est déjà pas mal, hein, finale du tournoi 300, quand on voit que la dernière fois on s'était fait sortir directement. 15-40. Ça serait juste bien de continuer en fait, parce que techniquement on est toujours invaincu sur terre battue. 15-44, Allez, ils aiment pas à chaque fois quand on change de plan de jeu en cours de route. Ils mettent un petit temps d'adaptation et c'est le temps qui nous permet de prendre les devants, de récupérer le retard accumulé. Allez, parfait celui-là. Ouh là là. L'Allemand qui tente de récupérer et de se débreak un petit peu. Est-ce qu'il va y arriver? Ceci est une autre histoire. Allez. Gros jeu puissant de fond de court là, c'est pas mal du tout. Non. Ouh, si c'est passé, je pensais pas. Celle-là. Le problème, c'est qu'il les met de plus en plus fortes. Il y en a une qui va sortir au bout d'un moment. Et c'est celle de l'Allemand. Allez, bim! Voilà, c'est celle-là qu'on voulait voir pour le 5-1. Allez, bam! Non, pas ici, Arthur. Tu menais 5 à 1. Oh là là, 5-4, mais on sert pour gagner le gain du 7. Oh, c'est tendu, c'est tendu!
Allez, reste concentré. C'est parfait ça. Garde ta concentration, ne cherche pas à jouer compliqué. Pour Third l'instant, c'est très set. bien comme ça. Je sais pas Four, pourquoi on met ça second alors que c'est le set. dernier set, forcément. Allez, un partout. Et 13, four. possibilité de balle de Four, break pour second set. Arthur. Compliqué, ouais, Game was 2-1, c'est won. parfait. Allez, 3-1, 4-2, 4-3, 5-3. Second set. Et balle de match possible. Ouh, le son qui a un petit peu craché. 15, 14. Game. Oui! Notre premier junior 300 remporté sur terre battue, qui plus est. Ça fait que nous sommes totalement invaincus jusqu'à maintenant sur terre battue et 2239 euros gagnés. À titre de comparaison, on avait gagné 575 ici. C'est parfait. Ça s'est joué à peu de choses. Arrêtez de demander un nouveau statut. Enfin, je veux dire, c'est son cinquième tournoi qu'il remporte. Allez, pour l'instant, on est bon en tout cas. On est très très bien pour l'instant. Si on regarde du coup, Arthur se mène en cours. Ok. La semaine prochaine, tournoi. Encore. Ouais, c'est un gros tournoi 300 aussi celui-là, hein, si je me souviens bien, normalement. Semaine 14, on est inscrit. Alors non, pas en MTL, du coup, on est inscrit en junior. En semaine 13, pourquoi il me remet en 35? Voilà, on est. Pardon, on est en. Semaine 14, on va être au J1 Carson sur du dur, tout simplement. Mais c'est un 300. C'est pour après où on va tout de suite prévoir l'entraînement ensemble pour les semaines à venir. Et je pense qu'on va se faire du physique quasiment exclusivement. On a besoin vraiment d'être meilleur sur le physique. Ouais, le jeu de jambes notamment. Corde à sauter, c'est quoi? C'est équilibre, concentration, c'est bien. Et ensuite, pourquoi pas mettre de la maîtrise de terre battue. Tiens, vu qu'on est en pleine période de terre battue. Coup en bout de course, équilibre, précision, revers et coup droit. C'est physique aussi en vrai, donc c'est pas mal. Et comme ça, ici, bam, un peu de stretching. Le petit match d'entraînement, non. Non, non, non. On va le mettre en repositionnement latéral pour avoir un meilleur jeu de jambes. On n'a pas d'accélération. Ouais, il nous faut de meilleurs trucs. Ok. Ensuite, là, la prise d'appui. Jeu de jambes, équilibre, concentration, je suis d'accord. Changement d'appui rapide pour l'équilibre et l'agilité, ok. Et ensuite repositionnement vers l'arrière. Ici, on va travailler le plan de jeu numéro 3 très intensément quand même. Et on va finir par du massage musculaire dimanche repos. Et ensuite là. On va pas refaire de technique, on va refaire que de la tactique pour améliorer tout simplement sa capacité. Alors, croisé, déviation. Ici, on va annuler ça. Bim, on va faire une petite analyse de déplacement pour qu'il soit un peu mieux sur son coup d'œil. Déviation, je suis d'accord à nouveau. Le changement de rythme, stop and go,
Allez, on va mettre un truc physique, histoire de dire quand même. Par contre, on va faire un petit massage musculaire. Ici, on va remettre de la tactique à nouveau. Ça va être du repos. On va travailler le plan de jeu numéro 3 à nouveau. Ici, non, tactique, analyse de déplacement. Ici, tactique, analyse de déplacement à nouveau. Et on va mettre juste dimanche matin un petit peu de terre battue. Allez, c'est pas mal du tout. Ah, on a une demande d'interview. Allez, on va accepter cette interview. Vos joueurs ont brillé cette saison sur dur. Comment préparez-vous vos joueurs avant d'aborder tournoi sur cette surface? Ouais, ça c'est bien. Bah non, hein, si vous regardez, on a gagné deux tournois sur terre battue. Comment ça, on est mal embarqué pour les finals? Ouais, je vais rien ajouter hein, parce que je suis pas d'accord avec toi, mec. Alors, rapport d'Arthur sur... Ah oui, en MTL, du coup. Ça y est, on est classé en MTL. Parfait. Avec une victoire, nous sommes désormais 2060e sur le dur en MT. Enfin, en MTL tout court, d'ailleurs, pas que sur le dur. Et en JTL, on est alors classé 10e mondial en junior. Avec un gros total de points gagnés, pas mal de prize money, 9 tournois joués, 33 matchs gagnés sur 37, excellent. Si on regarde la fiche globale d'Arthur, c'est pas mal du tout tout ça. Va falloir apprendre le jeu en déviation un peu mieux par contre. Et là, ça fait plaisir d'avoir gagné les 7000 euros juste ici. Bien. Sur ce... On va s'arrêter là. Je vous dis comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu. Pour du Tennis Manager, on se retrouvera dimanche prochain, bien évidemment, pour la suite et le début de la saison officielle sur Terre battue pour Arthur. Pour les autres, bien évidemment, on se dit à demain pour ceux qui suivent les autres vidéos. Je vous dis, jouez bien. En attendant, ciao tout le monde!